Ok, vous voyez cette photo ? Bah personnellement, je la trouve très belle. Mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, ce qu'elle raconte l'est beaucoup plus. Bon, on est sur le Tour de France 2021. Le maillot jaune, là, c'est Mathieu Van Der Poel. Et lui, bah c'est un jeune enfant, tout ce qu'il y a de plus classique. Eh bien, cette photo, elle a bien failli ne jamais exister. Parce que cette même année, l'UCI avait eu la bonne idée d'interdire aux coureurs de jeter leur bidon au public. Bon, en réalité, le débat est beaucoup plus complexe que ça et mériterait qu'on se penche sérieusement dessus. Mais c'est pas la question. La question, c'est comment appliquer un règlement. Au Tour des Flandres, le Suisse Michael Schaar va avoir la réponse, puisqu'il va simplement être exclu de la course. Bon, vous en doutez bien, le monde du vélo s'est indigné et le principal intéressé y est allé de son plus fort argument. Alors l'UCI a fait machine arrière et a ajouté une petite ligne à la règle qui nous a permis d'assister à cette image. Et vous savez quoi ? C'est sans doute la décision la plus intelligente que l'UCI pouvait prendre. Parce que le vélo demeure ce sport gratuit à ciel ouvert, incroyablement populaire, capable de faire rêver des dizaines de milliers d'enfants à travers le monde, comme celui-ci et Michael Schaar avant lui. Et ça, cette passion, ça peut commencer par un bidon récupéré.